Hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous jouons Rome l'Empire, non, Rome, la dynastie des Junia, voilà. Je sais pas pourquoi il y a un empire qui est sorti là d'un coup, c'est bon. Hop, là, mon cerveau il a fait, non, il n'y a pas d'empire romain encore. Il viendra, ça va, ah. Tu as échoué, de temps en temps tu en as le droit. Oui, il y avait une possible rébellion d'Against Claudia. Eh bah écoutez. Faites votre vie. En attendant. Ouais, en attendant, moi je vais direction Ibosim. Préparer justement cette rébellion. Ah oui, je venais de prendre les territoires là du coin. Et on va y faire que de la nourriture ici, enfin principalement de la nourriture, pas que, mais presque uniquement. Je vais prendre, j'ai failli les oublier, hein. Les troupes, et je vais les envoyer, je vais les envoyer à Ibosim. Alors, il va falloir du tour 1, 2, 3, 4, encore 4 tours. Ouais. Ce sera un peu long, mais bon. Voyons. Ah! Pas grand-chose ici. Ok, c'est le recrutement. On va faire ça alors. Là, j'ai toujours pas. Non. La cour à l'équestre, je crois que c'est ça. Hein. Je suis sûr du nom, mais ça doit être la chorale équestre. Voilà, on a encore un siège en cours sur Garama. C'est la dernière possession des Libyens. Donc on va faire tomber ça tranquillement. Bon, ils vont sortir tranquillement. Donc résolution auto, mode équilibre, et voilà, pas besoin de plus. Pim, pim. Là, faut pas se balader avec des boucliers carthaginois comme ça, hein. Quelle idée. On occupe et normalement à plus de Libyens. Facile, facile, facile. Ah, j'ai une épidémie. Non, c'est pas moi, ok, c'est. Ah zut, comment il s'appelle? Massilia. Hop, ça on s'en fiche, ça je m'en fiche, ça je m'en fiche. Ça on va le changer. On avait dit commercial ici. Hein. Pardon, bah voilà, ce sera du commerce. Les tanks. Ok. Plutôt bien. Noble, attends, c'était quoi le dernier là, que je voulais? C'était pas ça là? Non, ce que je voulais absolument, c'est noble. Pour les rendre recrutement. Ah, ça va être bien ça. Toi, c'est. Oh, bah oui, c'est vrai, les aides d'État. Je leur ai trop tapé dessus. Voilà, saboter le reste, hein, donc saboter la colonie, on va aller à Tarraco. On va pas leur taper dessus de suite aux aides d'État quand même. Ah bah dis donc, deux fois d'affilée. Comment je m'entends avec eux? Ok. On a connu pire, quoi. Ouh. Les Nazamon, ils m'aiment pas. Hein. Je sais pas, j'aurais rien fait pourtant. Bon bah on va bien laisser les deux troupes là. Une à Macomad et une à Garama. Au cas où. On ne sait jamais. Voyons voir, voyons voir, voyons, 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 non, 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 non. Je pense que je vais aller sur les Lusitaniens. Donc sur l'Ibérie de l'Ouest.
Déjà, ça va me faire rapprocher ma troupe d'Ibérie au cas où il y a une sécession. Donc des Gens Claudia. D'ailleurs, il faudrait vraiment que j'arrive à lever une autre troupe. Non. C'est pas moi, faction détruite. Égypte? Ils sont fait bouffer par Saba, c'est ça? Athènes? Mais non. Athènes qui a bouffé Égypte? Oh, pas dit. Ah, ok. Pourquoi pas? Oh, les Ardennes, ouais, ils vont loin. Bah, ouais. J'ai peut-être une idée là pour avoir une troupe supplémentaire. Je vais prendre lui là, n'importe lequel, lui par exemple, on fout. Je vais rétablir l'héritage de la Légio 6. Donc, général et garde du corps. Et je vais l'inciter à venir, voilà. J'ai peut-être dû le faire pour les Gens Claudia, je suis un peu couillon aussi des fois moi. Pour éviter qu'il crée son propre parti et qu'il se barre, hop, je l'adopte. C'est celui-là que j'ai. Ou c'était lui? Ça doit être lui, je sais pas. Bon, on va faire des mariages. Plus de probabilité d'avoir des gosses. Taux de recherche. Prendre la ruse. Allez, hop. Toi, ouais, en général, c'est ça hein, que je prends. Eh ben dis donc, ah oui, c'est vrai que quand je les recrute dans. Voilà, j'avais zappé, mais. Le fait de l'avoir recruté à Rome avec les bonus, etc., là, ça lui donnait quelques niveaux, hein, la vache. Ouais, un peu de morale. Armure, c'est bien. Et hop, unité d'infanterie. Perfect. Perfect, perfect. Je vais recruter quelques cavaliers. Cavaliers. Oui, c'est le nouveau cavalier, t'inquiète. Qui passe, ils sont toujours chers. Quelques triaries et le reste de prime qui passe. Faire un peu moins de triaries d'ailleurs et plus de prime qui passe. On va faire les Soki, écoute, les Soki extraordinaires. Ils ont moins d'attaque, même s'ils ont un peu plus de d'armure, de défense en mêlée, tout, c'est pas grave. Ok, toi, comme d'habitude, hop, rallie les esclaves. Ah mais dis donc, trois échecs d'affilée. Bon bah ça arrive, hein. Ce sont des choses qui arrivent, hélas, mais bon. C'est pas de peau, quoi. Oula. Là. J'avais pas mal de constructions à faire là dans le coin. D'ailleurs, je vais aller regarder les autres. Les autres provinces. Ah, j'ai pas fait la phase d'ailleurs, c'est bon. Hop, ici, pareil. Non. Merci. Hop là. C'est bon, lui traverse la mer. Lui, il va pas être loin d'Ibosim, donc au cas où, on va pouvoir assez vite reprendre le contrôle de nos villes en cas de sécession. Voilà, toujours prévoir les sécessions et les écraser le plus tôt possible. On le casse pas dans l'œuf, comme on dit, ou un truc comme ça, mais le plus tôt possible. Philosophie, très bien, philosophie 2. Ça va importer moins de corruption, pourquoi pas. Devise commune, très intéressant. Ouais, devise commune.
Hop, là on arrive. Et lui, fusion. SVP. Ouais, ok. Quelques constructions qui sont terminées. On va jeter un œil. C'est le commerce maritime, mais bon, j'en ai pas. Divertissement. C'est quoi là? J'ai un tel de Jupiter, on va faire Minerve. Fera toujours de la science. Enfin, de la recherche. Toujours bon à prendre. Ok, là, deux tours de recrutement. Et. Et toi? Fais ta vie. Qu'est-ce qu'ils foutent les Arvernes encore? Ils ont encore raté. Ils ont déjà fait un truc comme ça, les Arvernes, ils ont pas compris. Ils ont perdu des villes. Bon, ils ont gagné au final, mais quand même. Ils s'apprennent pas de leurs erreurs. Les Lusitaniens. Ah bah j'ai bien fait de... Ouais. J'ai bien fait de ramener des troupes là-bas. Là, j'en ai rien à secouer. C'est ça, ouais. Il demande de payer. Non, mais n'importe quoi, on aura tout vu. On va chasser les pirates. Ça, ah, ok, y a pas de problème. Et eux, en marche rapide vers Caturba. Eux, changement de plan. Direction Carthadacht. Et il me faut encore un tour, je crois. Recruter mon ma légion à Rome. Ah bah voilà, t'as réussi, c'est bien. Tu montes un niveau un jour ou pas? Ah bah, je suis demandé. Je te demanderai plus souvent, parce qu'apparemment ça marche bien. Et niveau 7, c'est bien. Voir. Ouais. Commerce, y en a un, c'est commerce ou pas? Divertissement, bon, on va faire divertissement. Et épicerie fine. Négociant, on va. Ça a l'air bon. Tour prochain. Tu vois? Bon, ils vont quand même bien traverser la mer, eux. Ah oui, tiens d'ailleurs, ma flotte, je pourrais peut-être l'envoyer. Ah oui, mais si j'envoie ma flotte, j'ai plus ce qu'il faut pour garder les terres des mains des séparatistes. D'ailleurs, je vais vérifier qu'ils aient pas changé de région. Parce que des fois, ils changent comme ça et c'est pas très fun. Non, ça va, c'est toujours là. Est-ce que je peux les pousser Est-ce que je peux les pousser au créer? J'aimerais pas trop que ce soit les Julia. Ok. Ça a raté, mais par contre pour eux, je vais sécuriser la loyauté. Je veux pas de problème avec les Julia, pas de suite. Hop, et vous venez Kadira. Rome a grandi. Ah oui. Atelier. Bien sûr, un atelier. C'est ce qu'on attendait. Très bien. Ça lui fait de l'expérience. On a encore de l'or, là. De l'or qui dort, ce n'est pas bon. Gens Claudia. On va lever une flotte. Même principe que la dernière fois. Tiens, toi, déjà, on va te marier. Ouais, des gamins, c'est bien. On va lui donner ça et de la ruse. Très bien. Voyons, c'est toi. Adopté.
Comment ça, c'est lui qui peut adopter? Qui c'est qui a de l'autorité ici? Personne qui a de l'autorité? Oh merde. Oh. Ah si. Voilà. Ça a failli pas sentir bon tout ça. Hein. Mais il est où? Ah oui, il est là. Donc inciter. Ah oui, mais c'est ça, je pouvais pas l'adopter avant de l'inciter. Ah ouais, mais. Forcément. Tiens, fais-toi plaisir. Voilà. Du moral et du moral. Comment puis-je vous aider? Là-bas, ça bouge pas trop. Et là, oui, voilà. Et là, je vais pouvoir recruter à fond. Et cette tour, hein, quand même. Hein. Oh la vache. On va l'emmener là-bas, lui, au cas où. Je sais pas pourquoi. Moi, je me dis que s'il veut passer dans le sud, ce sera pas une bonne idée, là. Ah, je suis toujours en marche forcée là-bas? Oups. Qu'est-ce que vous faites, les Arvernes? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu cherches à faire? Ah, je vois un agent. Je vois un agent à Tarako. Il y en a un des deux qui a perdu l'agent. Alors, je sais pas si c'est moi ou si c'est lui, mais il y en a un des deux qui s'en fait fumer. Ok, ouais, bon, il attaque. Elles sont entraînées, ces troupes, hein. Moi, j'ai quoi? Quelques unités de Astati. Je vais essayer de lui faire juste des pertes. Parce que je vais avoir le moins de pertes possible avec mon armée. Que ce soit une garnison, je m'en fous, moi. Une garnison, c'est pas un problème. Par contre, le reste, oui. Voyons voir. Je vais mettre deux unités comme ça. Voilà. Ici, je vais mettre deux unités, trois unités comme ça. Là, je mets des Rorari. Ici, je mets des Levesses qui vont bien canarder là sur le côté. Et la plèbe derrière, hein, en mode faites votre vie, les gars. Et quelques Levesses supplémentaires en mer. Du coup, s'ils sont supplémentaires en mer, ils sont supplémentaires. Non, ça marche pas. C'était pas très drôle. Un jeu de mots finement utilisé, mais pas drôle, donc dommage. Hop, eux, je vais les envoyer là. Derrière, s'ils veulent bien. Oui. On va accélérer. Bonjour, bonjour. Voyons voir. Cavalerie mercenaire Scutari. Ils vont charger là-bas ou ils vont charger là? Par acquis de conscience, je vais faire un carré. Formation carrée contre les cavaleries, on aime. Ah bah il va charger nulle part, il a pas avancé. Pleutre. Ah si. Il suffit que je dise qu'il avance pas pour qu'il charge. Alors là je vais hop, je vais retirer le feu à volonté, pas besoin, là il va se prendre déjà des pilums. Voilà, il fait une petite charge. Ça me fait quoi? Est-ce que ça... Ouais, quelques victimes. Mais bon, il devrait fuir assez rapidement.
Hop, hop, les gars, balancez pas vos munitions contre lui, s'il vous plaît. Il y a du monde là-bas? Ah. Je vais emmener eux là-bas. Par acquis de conscience. On sait jamais. Bon bah là vous pouvez remettre la volonté. Je pensais qu'il serait débarrassé de la cavalerie avant, mais non. Là dès qu'ils sont passés, hop, je les remets en ligne et feu à volonté. Allez, allez, je vais juste en attendre un peu plus au corps à corps. Ah, ici, formation tortue offensive. Je vais éviter les pertes inutiles. Hop, là, feu à volonté les gars. Il est lourd, général. Non, pas de général. Ah si, là-bas. Hop, et là... Sur le côté, bon, c'est ce qu'on a. Et quitte à leur ordonner d'aller chercher derrière. Ah bah ouais, il est là leur général. Ah, il est tout sur le général. SVP. Là, il y a les deux unités qui prennent les tirs. C'est bien. On va juste faire en sorte de bien rester en ligne. Maximum en ligne. Voilà, pour prendre des projectiles de face et bien bloquer avec les boucliers. Hop, alors bien évidemment, eux, je leur dis... mode garde. Ici, ça donne quoi? Oh le salaud. On va les obliger au corps à corps, j'ai pas vu, ils lancent leurs projectiles aussi sur moi là. Voilà. Là, on les oblige à aller au corps à corps. Allez, balancez vos pilums, les mecs. Et venez tenir la ligne. Les Rorari, ils ont une défense, mais c'est tout, quoi. Ils ont rien d'autre, donc ça, c'est pas terrible. Comment que ça se passe au niveau de leur général? Il a pris quelques pertes, pas tant que ça, mais... Là j'aimerais bien faire le tour mais c'est pas possible. Là je suis 4 pertes, 5 3 pertes. Je vais prendre mes unités de plèbes et je vais leur faire tout le tour là. Comment je suis? Oh là oui ça fait mal. Je vais demander à plus tirer sur les unités derrière. Même non, je vais leur demander de décaler là. Alors si possible, merci de ne pas rentrer au contact corps à corps avec l'ennemi. Si possible, hein, bien évidemment. Ok, ça a l'air de s'être fait. Et je vais leur demander de canarder ceux de derrière là et leur faire des pertes. Faut que je me débarrasse d'un front rapido là. Hop, allez, courez les mecs. Pas mal de pertes. J'ai l'impression qu'ils en ont rien à foutre. Hop, je vais le décaler. Ah, qu'est-ce qu'ils viennent de faire là? Non, c'est bon. Je vais le décaler, je vais leur demander d'aller là. On va pas tirer. Volonté. Ah, vous êtes déjà arrivé, hein. C'est vrai que la plèbe elle est très légère. Elle va vite. Tant qu'elle est pas trop fatiguée, elle va vite. Ils ont décidé d'avancer, très bien, pourquoi pas. Là, on va foutre un coup de renfort sur les deux. Ouais. Là, je sais pas pourquoi il vient aussi proche que ça. Mais... On va les charger. Parce que ça veut dire là qu'ils vont essayer de... Peut-être... Voilà, ils vont essayer d'aller... choper ces unités là, c'est pas bon pour moi. Les Leves qui sont là-bas, on va les renvoyer là-bas. Qu'est-ce que ça fait au niveau des pertes? Maintenez, maintenez. J'ai demandé à la plèbe de charger. Au
Alors toi par contre tu vas bouger vite. Hein. Voilà. On retire la formation tortue et on leur demande de s'avancer. Aïe, aïe, bien c'est ce qui t'arrive, stop. Il a envoyé des lanciers, salaud. Ouais, super, le moral là des javelots, zéro. Hein. Hop, on va aller au contact. Ils vont pas pouvoir tirer trop leurs projectiles facilement. Si je suis au contact, comme ça. Et là, on va aller les... on va aller chercher, c'est du 160 contre 20, en théorie, on est censé passer là-bas. Voilà, là-bas c'est fini. Et on va faire le tour et on va essayer de les attaquer par derrière pour leur faire mal au moral. Hein? Comment ça? Attendez, comment ça ils ont le moral défaillant hein? Ah oui, je préfère. Voilà, le but c'est... de les faire fuir, donc on va prendre un maximum de largeur possible. Voilà. Là, je vais les retirer du contact. Là, il faut leur faire peur à souhait. Oh, oh, c'est pas ça que je voulais faire. On va les faire se barrer. Roma invicta. Là on est arrivé très bien. Hop. On rappelle, hein, c'est une bataille pour faire de la perte. À l'ennemi, on sait qu'on la gagnera pas, mais si on peut lui faire faire des pertes, ça m'ira. Voilà, là il s'en fout de moi, c'est tant mieux. Il s'en fout pas de moi, c'est tant pis. Il s'en fout de moi, c'est tant mieux. Non, là je vais aller là-bas. Aider, je vais envoyer la plaie pour les aider. Hein. Quoique ça fait une supériorité numérique. Peut-être pas les aider comme ça. Hop, et là on va les charger. Là ce sera le barouf d'honneur les mecs. Hein. On va pas se mentir. Là-bas on va perdre. Là-bas on va pas gagner. Ah, c'est de la plèbe là, donc ils vont vraiment se barrer vite. D'ailleurs on va la faire reculer, ça va peut-être attirer d'autres unités. Non, à casser leur ligne, même pas. J'ai quelques Astati. Non, ça n'a pas marché plus que ça. Tactique, ok. Là-bas, ils sont barrés. Alors là-bas ça se barre aussi, c'est pas bon ça. Essaye de tenir mon ami. Son unité de général a pris cher, mine de rien. Hop. Ah, ils sont passés. Terrible. Je suis obligé de casser la formation pour aller pour les intercepter. Hop, et la bataille va se terminer comme ça. Combien on aura fait de pertes? Oh, on lui aura fait 1200 de pertes. Ils ont perdu beaucoup plus de troupes que nous. C'est parfait. C'est un lourd prix à payer. Sachant qu'on va récupérer la ville le tour d'après, quoi. Bon, ils l'ont peut-être pillé, rasé, j'en sais rien, mais... c'est pas une ville, c'est pas ça qui va me changer grand-chose. Ouais, c'est pas Gadira qui a changé grand chose à... Ah, ils l'ont même pas pris, ils l'ont juste rasé ou pillé. Ouais. Bah, ils l'ont pillé, je pense, parce que je crois que tu peux pas la raser. Ouais, c'est ça, moi, pour un petit piège. Alors là, hop, tiens, coucou les mecs, vous allez bien? Moi, ce qui paraît, vous avez joué avec une armée de garnison. Et sinon, on jouait aussi ensemble. J'adore, regardez, on va jouer au même jeu. Salut. Alors, c'était fun?
Ah ouais, moi je me suis bien amusé en regardant. Hop, moi je m'amuse bien là. Comment on dit la vengeance à un plat qui se mange froid et chez moi ça refroidit très vite. On va les tuer, voilà. Pitié, pas de tendresse. On va réparer. Si cher que ça. Hop, soldat. On va s'avancer. On va faire un fort. Et qui essaie de venir prendre le fort qu'on rigole un coup. Voyons. Ah bah oui, c'est mon. Attends, il a pas été tué quand même. Oh, j'ai pas vu. Attends, est-ce qu'il a vraiment été tué? Il s'est fait fumer? Mais non, il s'est vraiment fait fumer là? D'un coup, comme ça? Oh, faut pas déconner. Ah, oh, faut pas déconner. Ça me déconne. Non mais oh. La vengeance est un plat qui se mange froid. Et celui-là mettra un peu plus de temps à refroidir, hélas. On n'a rien à secouer. Les Arvernes, vous allez payer pour cet affront. Et vous allez payer très cher. Toi. Tu me donnes le traité d'accès militaire ou sinon je vais m'accéder le droit de passer moi-même. Très bien. Hop. Voilà, je vais m'accéder le droit de passer moi-même. Donc, toi, direction Velatri. Et toi, direction Ariminum. Et toi, tu iras là-bas. Voilà. On s'est pas fait beaucoup de copains. Mieux. Là, je vais aller dibouiller de l'Arverne. Voilà, leur allié, les Pictons, j'en ai rien à secouer. Ils sont en guerre contre les Marcomans en plus. C'était pas le bon moment pour m'embêter. Ibossim s'est coulé. Enfin, les éclairs de je sais pas quoi là. Éclairs de Taranis s'est coulé. Et puis on les tue en même. On fait pas de captifs, rien à secouer. Un bon navigateur. On va juste le laisser se réparer et on va à Tarako le tour d'après. Voilà. Alors, voyons voir, est-ce qu'il y a des trucs à construire? Et voilà. Eh ben on va terminer l'épisode ici pour aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu. Oui c'est ça, allez. Rentre chez ta mère. On a nos futures cibles, voilà. On avait une de nos futures cibles qui est venue d'elle-même. Qui apparemment va venir peut-être nous embêter, ou alors... Ah non, dissoudre une unité. Ah, ça serait chiant. Attaquez-moi plutôt, c'est plus simple, c'est moins... Moins chiant que d'aller relever des troupes, machin et tout là. Ah voilà. Donc il y a 5000, un peu plus de 5000 troupes lusitaniennes qui viennent pour essayer de faire tomber notre fort contre nos 2800 troupes. À peu près du 1 pour 2, c'est intéressant. Allez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de cette bataille. Merci d'avoir suivi, c'était Tchob.